allait s'autodétruire. J'ai rectifié ça. J'ai programmé une dernière secousse, juste pour le plaisir. Deux, une ou deux dernières secousses. Rigolo, non? Alerte, surchauffe du cœur, fusion. J'aurais pu le virer, je l'ai pas fait. Mais n'écoutez pas ce qu'il raconte, reprenez les tests. Toujours rien. Oh, désolé pour l'ascenseur, il est hors service. Il a fondu. Autant que je vous fasse la visite commentée. Sur votre gauche, des loupiottes. Je sais pas à quoi elles servent. Un truc scientifique. Sur votre droite, les gens. Courez vite! Ça n'a rien à faire là, ce truc! Ça va bien de votre côté? Active le rayon. Non. Oh, pas bon, ça. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Après ce qu'il a fait à mon centre, quand nous serons débarrassés de lui, vous permettez que je le tue? Je suis en train de préparer un test. Rien que pour vous. Ça va sans dire. Pour qui l'autre, hein? Voyons voir la sortie. Non, pas de sortie. C'est pas grave, je vais en faire une de sortie. Pour votre test. Là, bing! Parfait. Allez-y. Quand vous m'avez dit de désactiver le rayon, j'ai cru vous avoir perdu. J'ai cherché un autre sujet de test, mais ils sont toujours tous morts. Oh, par contre, j'ai trouvé quelque chose. Ce qui me fait penser que j'ai une grande surprise pour vous deux. Vous allez être sciés.
surprise que je vous fais. On pourrait même dire que vous allez mourir de plaisir. Et par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Bon, je sais pas si vous avez bien capté ce que je vous ai dit, mais... Oui, on a compris, merci. Voilà, il ne s'embarrasse même plus de subtilité. Ou peut-être que si, auquel cas c'est un peu pathétique. Pardon, désolé, c'est ma faute. Quelle endurie. Quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression qu'il va nous tuer. Continuez. J'ai que trois salles avant la grande surprise. Oh, c'est fatigant. Il nous réserve une surprise. Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver ?